Yo tout le monde, c'est Yoann Team et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire des montages. Vous devez tout d'abord aller sur Share Factory. Vous l'avez tous normalement, allez dans vidéo, nouveau projet, vous prenez n'importe lequel. Par exemple, vous faites un jeu sur l'horreur, le thème horreur. Je vous dis, c'est ça qui va vous permettre de mettre l'intro, le titre de la vidéo et l'outro. Après clip de fin, vous n'êtes pas obligé de le mettre, donc je vais prendre un gameplay. Un gameplay qui soit pas spécialement d'horreur, mais bon, on va prendre un gameplay au hasard que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez en prendre plein, genre celui-là, celui-là. Vous faites dans l'ordre, hein. Là, up, up, up. Et là, vous mettez lancer. Alors, renommez le projet, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre tuto. Pour mieux, donc là, voilà. Donc, là, vous attendez. Ça vous met ça. Le titre de la vidéo va s'afficher juste après. Tuto, voilà. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des... Genre ça, je peux mettre ça ici, là. Voilà, et là je fais bim signer qui va vous permettre de couper les clips. Genre, par exemple là voilà, et vous allez pouvoir faire plein de choses. Genre par exemple on va mettre un truc qui n'a rien à voir, genre quand je vais quand par exemple imaginons là on va vous voyez là je suis mort. Donc vous pouvez rajouter de la musique, moi j'en ai plein. J'ai mis ça. Vous pouvez importer directement sur votre clé. Hein. J'en ai plein pour... Furoda, Critcher, plein de trucs comme ça pour mes montages. Ou sinon vous en avez déjà sur la play, genre ça. Vous en avez... plein de trucs pour vos trucs épiques pour commencer, mais je vous conseille de mettre une clé et puis ensuite faire ce que vous voulez. Puis ensuite vous pouvez ajouter une capture, je sais pas, prendre n'importe laquelle, genre nous on va prendre celle là image ou la bim après non hein. Putain, il y a des échos, je crois j'ai bon, ok, là ça va mettre ça. Puis ensuite vous pouvez mettre une transition, genre vous avez le choix, si vous mettez comme ça par exemple, et là ajouter la transition, et à chaque fois que vous allez faire par exemple ça, va y avoir une transition, genre normalement j'ai 5 je sais pas le dire sur Bali, oui, genre normalement et hop là normalement j'étais transition celle là ajouter la transition à la longueur totale du projet là par exemple, voilà des genres de trucs comme ça. Puis ensuite, vous devez enregistrer le projet ouvert votre galerie. Après, vous pouvez générer une miniature. C'est vous qui avez le choix, vraiment. Mais après, pour les miniatures, je ferai quand même une autre vidéo. Puis, normalement, à la fin de votre vidéo, il y aura l'outro. Genre là, par exemple, là, dans mon gameplay, là, bim. Et voilà. Bon, après vous pouvez partager la vidéo hein, si vous voulez la mettre dans la galerie. Bon ben voilà, c'est la fin de ce petit tuto. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.